Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Red Dead Redemption 2. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le retard de cette vidéo. Je pense que je ferai un titre dans le genre cet homme découvre Red Dead Redemption 2 50 ans après ou un truc comme ça, je pense. Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'il y a la PGW durant la semaine de sortie du jeu et j'ai été toute la semaine, voilà, ça m'a fatigué, etc. Je voulais vraiment kiffer sur le jeu et prendre mon temps et après malheureusement au moment où je voulais le faire. Je suis tombé malade, voilà. Je sais pas si ça t'entend encore. Je suis encore malade, j'ai une angine, une grippe, voilà, c'est un mélange de tout ça. Ça va pas du tout, mais pour l'instant, là, ça va un petit peu mieux. Je vous fais cette vidéo découverte. J'espère que vous avez bien kiffé avec moi. Je vous fais un petit tour du propriétaire. C'est sorti le 26 octobre 2018. C'est un type TPS, troisième personne. C'est comme GTA, sauf que c'est au western avec des chevaux, etc., etc. C'est déconseillé aux moins de 18 ans. Nous sommes sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. C'est également disponible sur Xbox One. Malheureusement, pas encore sur PC, mais je pense qu'ils feront une version PC, pas comme le 1 qu'ils n'ont pas fait sur PC d'ailleurs. Et puis voilà, je pense que tout est dit. Si vous kiffez cette découverte, si vous voulez pourquoi pas voir des petits best-of sur Red Dead Redemption 2, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous voulez des best-of, vous me le dites parce que le jeu, je le ferai entièrement en live sur Twitch. Le lien dans la description, c'est Let's Go. Et comme ça, bah, pourquoi pas faire des petites. Ouais, des petits best-of sur Red Dead Redemption 2. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Au lieu de faire toute l'histoire, et il y a même Hitman 2 qu'il faut que j'essaye, que j'ai reçu. Normalement, l'embargo se finit demain à l'heure où je vous parle. Et puis voilà, allez, on est parti pour la découverte. J'espère bien kiffer, parce que vous êtes assez nombreux à m'avoir dit que c'était un chef-d'œuvre. J'en profite aussi pour dire, pendant le chargement vite fait, que moi j'attends surtout Red Dead Redemption Online. C'est un peu le GTA Online pour Red Dead. Jouer online avec vous, etc. Faire de la chasse, etc. C'est vraiment ce qui me donne le plus envie. Je vais pas dire que l'histoire me donne pas envie, mais le monde online me plaît beaucoup plus et j'ai beaucoup plus d'attentes envers celui-ci. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez le jeu aussi sur PS4, comme ça, dès que le online sera sorti, eh bien on le fera ensemble. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Oh. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know, an old mining town, abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bring him in here. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson,
see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Maintenez croix pour caler la vitesse sur celle. Ok. D'accord, en fait, c'est un petit peu comme le jeu qui s'appelle le Tour de France. Quand vous restez derrière, eh bien, vous restez plutôt carré. En fait, il reste derrière et il garde la même vitesse. Franchement, le jeu est assez beau. Je sais qu'il y a toujours une petite bataille entre PlayStation et Xbox. Voilà, Xbox, je crois, c'est HDR 4K. Et sur la Play, c'est que 1080p. Personnellement, moi, ça me dérange pas vu que je peux que capturer 1080p pour le moment. Tapoter sur quoi pour accélérer? Ok. Je tapote. Alors, je me permettrai un petit peu de parler parfois pendant qu'il parle aussi. Durant les cinématiques, je vais me taire, bien entendu. Mais voilà, quand c'est des moments comme ça, je parle un petit peu quand même. Parce que sinon, ça va pas forcément le faire. Le début me fait vachement penser à. Comment il s'appelle? Comment on le dit en français? Ah oui, les 8 salopards de Quentin Tarantino. Si vous connaissez pas, bah n'hésitez pas. Hein. Si vous avez kiffé Red Dead, je pense que vous allez bien kiffer les 8 salopards. Le début avec le froid, etc. Devoir trouver un abri, après ça va partir en cacahuète. Limite, tu m'aurais mis sur le titre. En gros, Tarantino, ça m'aurait pas choqué. Voilà. Et franchement, ouais, c'est. Ah, c'est assez joli quand même. Hein. Y a rien à redire. Même si, bon, c'est assez difficile de faire quelque chose de. Je veux dire beau, mais la neige et le côté sombre, c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Ça retranscrit pas très bien sur YouTube en fait. Vu ma capture. Alors, et l'argent. Dis-moi tout. It's stashed with the rest of the money in town. It'll be safe for now. But we sure can't go back there to collect it anytime soon. Wait, is that someone coming towards us? Alors bien entendu, comme les GTA, comme GTA 5, il y a beaucoup de paralotes. Donc je vais me taire assez souvent. Ça va sans doute vous faire plaisir. Micah.
gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Il y a bien un truc que je kiffe là, c'est la neige. Hein. Les pas de neige, etc. J'adore ça. Dans le jeu, il y a beaucoup de trucs qui me font kiffer, des trucs assez assez simples. Hein. Genre les pas dans la neige, l'eau. Quand l'eau est belle dans un jeu vidéo, j'adore. Et aussi, quoi d'autre, la boue. Enfin, tout ce qui pourrait être modifiable dans un jeu, quoi, grâce à, bah, aux pas qu'on pourrait faire ou autre. Ou, je sais pas, de la pluie, n'importe quoi. Moi, ça, je kiffe. Et là, j'avoue, waouh, c'est très très beau. Genre dans God of War, il y a quelque chose de pas mal. Alors là... Je sais pas si je dirais qu'on a un cran au-dessus, mais pour le moment, ça le fait. Ce qui est cool, c'est qu'on a aussi les sous-titres avec un fond noir, un peu plus gros que d'habitude. Parce que généralement, il me semble que dans Red Dead Premier du Nom, pas mal de personnes... Attendez. Appuyez deux fois rapidement. Ah, c'est ça? Ok. En fait, j'ai l'impression de jouer au Tour de France. J'ai l'impression d'être un peloton, voilà, où... Je sais plus comment on appelle ça. Hop, faire ceci. Attends, j'arrive. Je le suis un petit peu. Voilà. Ça ferait plus réaliste quand même de se mettre à côté de lui plutôt que derrière à 10 mètres. J'espère que tu sais où est-ce qu'on va. Hein. Well, we got a few less now, so you should be happy. That ain't fair, Arthur. I earn my share. You think it's unreasonable to expect others to do the same? So, this house... You speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders. You know me. I'm a good boy. Right. How much further? Not far. What does that mean? Not far. Thanks. Bon bah, s'il a dit que c'était pas forcément très loin, je lui fais confiance. Y'a pas de problème. Ah moi, rien que de voir de la neige, ça me donne encore plus froid et tout, ça me donne encore plus mal à la gorge. Ah, je suis dans le mal en ce moment. Mais je me dis qu'il y a toujours pire, voilà. Je vous l'ai dit à chaque fois. Il faut dire qu'il y a des gens qui ont pire que ça, qui n'ont pas les moyens d'aller chez le médecin ou autre, ou d'avoir des médicaments pour soigner. Mais c'est pas faire ses chocs à me tomber mal. Ok, allez, on se fait discret, on se tait, on reste muet. Ok, let's head down there. Bon, pour descendre, triangle, la base. Ah! Mais m'a dit on descend! Ah, moi je lui dis on descend à cheval! Non? Ouais, franchement, entre nous. Il a dit descendre. Moi je lui dis bon, on va aller à cheval tranquille. Votre santé est affichée en bas à gauche, ok. Ah, c'est space comment ils ont fait la santé là? Pourquoi pas? J'aurais préféré une santé autour de la map personnellement. Mais il m'a dit descendre, franchement. Je me suis dit bon. Ils ont peut-être voulu que je descende et hop hop hop. Bah non. Je suis peut-être le seul à avoir fait ça. Enfin, vous me direz en commentaire hein, si vous avez fait pareil ou pas. Alors, il faut accrocher le cheval. Enfin, attention, que si on l'accroche pas, bah, il peut peut-être s'enfuir. Voilà. Mon petit dalmatien. En plus, c'est un dalmatien. Enfin, pour moi, c'est un dalmatien. Voilà. Alors, on te suit. Vas-y. Je profite aussi pour parler parce que voilà. C'est que ça parle beaucoup après, je sais pas forcément vraiment quand faut que je parle, quand faut que je parle pas. Il y a des gens qui vont préférer que je me taise du début à la fin, d'autres qui vont dire oui, mais peut-être sur 30 minutes de vidéo, tu vas parler 5 minutes dans ce cas-là. C'est pas forcément évident. Mais vu que les sous-titres sont là, bah, je peux me permettre de parler. Hein. Oh là, hey, on prend pas ma place là. Hey, jeune homme. Voilà. C'est moi qui dois tester comment on fait. S'il te plaît, merci.
pas utiliser de la ticelle. On aurait quand même pu avoir ça autrement que dans la neige. Ok. Ah, si tu veux que je me cache. Attends, je vais le mettre ici. À part s'il veut que j'aille autre part, mais... Ah, peut-être qu'il veut que j'aille là-bas. Je sais pas. Ah, mais non. L'abri, il est là-bas. Je suis cinglé, désolé. Hein. C'est pas une excuse ou quoi que ce soit. Allez dans l'abri, voilà, c'est ici. Et il faut qu'on se cache. Comme ça peut-être, voilà. Désolé. Hein. Le temps que ça monte au cerveau. Utilisez le stick de... Ok. Excuse-moi. Hello. Oh, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some. There's a body food in the wagon. I hear you. Just gentlemen, keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now, buddy. Alors, la roue des armes. Allez ici. Ça va falloir dégainer son arme. Now, moi, je suis prêt. Hein. I ain't asking for much. Please. Hop là, Améo. Vous êtes pris pour qui? Zut. Hop là. Ok, il y a la visée auto, ça c'est cool. Montre-toi. Oh là, c'est assez jouissif. Hop là. J'ai l'impression d'être dans un film spaghetti. À ma gauche arrive. Hop là, non mais oh. Par contre, pour l'instant, on a un petit pistolet. Ça se voit que si on headshot pas, ça ne tue pas. Passer par-dessus la barricade. Hop là, ça c'est fait. Il faut le poursuivre. C'est parti trop vite. Allez, on va le suivre. En fait, ce qui est embêtant, vu que c'est en anglais et tout, des fois, bah j'ai du mal à tout comprendre. Là, le lire, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. Ah, comment on recharge? Ah, c'est rond, voilà, c'est bon. Donc, du coup, on va rentrer. Il fait un petit peu frais dans la maison. Maintenant, carrière à proximité d'un objet pour le ramasser. Bah, moi, je voulais qu'il prenne de l'alcool déjà, qu'il se réchauffe le cœur. Alors, ici il n'y a rien. Ah, alors. Ah, tu prends tout. Allez, tu prends tout. Maïs doux, voilà. Maintenant pour la sacoche. Ouais. Attendez, il faut qu'il prête comme ça. Voilà. Faut bien rester appuyé. Excusez-moi. On découvre le jeu. Vous et moi. Assortiment de biscuits. Le personnage a l'air un peu fatigué. Enfin, je sais pas s'il est. Il serait pas cardiaque par hasard. Ah. Alors ça, on peut pas récupérer. Ah. Fouiller le meuble. C'est là, il y aura peut-être des médicaments. Attention. Voilà. Tonique entamé, c'est bon. Hop, un deuxième. Hop, un troisième. Et on ferme, parce que nous sommes polis quand même. On a beau avoir tout explosé. Alors, pour les vêtements, c'est pas bon. Ici, il n'y a plus rien non plus. Alors, on prend le temps de bien tout fouiller. Hein. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Du bœuf salé. Ça que les États-Unis, ils aiment bien tout ce qui est séché au niveau de la viande. Alors, qu'est-ce que c'est? Galette d'avoine. Ah, ça c'est pour les gens qui veulent faire un régime ou maintenir un quelconque équilibre au niveau de leur santé et au niveau de leur poids, bien sûr. Alors. Comme ils sont assez soucieux du détail. Hein.
Enfin, je trouve qu'ils étaient pas obligés. Excuse-moi. Ils n'étaient pas forcément obligés de changer tout ça. Après, oui, à voir, on peut se mettre en vue FPS. Voilà, pour ceux qui se demanderaient. C'est possible. Moi, je préfère rester en vue. En vue de troisième personne. Bah, un peu comme les autres. Ça, c'est bien. Après, c'est à vous de décider si vous préférez ou non. Alors, attendez. Peut-être là, il veut que je mange. Voilà. Je vais prendre. C'est quoi ça? Haricots à tomates, restaure modérément volonté de santé, d'énergie. Et ça, c'était quoi tout à l'heure? C'était maïs doux. On va prendre le maïs doux. Voilà. C'est pour ça que tu te bêtes tout à l'heure. Excusez-moi, hein, comme je dis, je découvre. Pour vous, ça peut être assez bizarre dans le sens où peut-être que vous avez déjà fini le jeu. Et pour vous, ça semble être quelque chose d'ultra basique. Mais pour moi, c'est tout nouveau encore. Voilà. On a récupéré ceci. Et là, ça se récupère aussi. Ah, les bijoux, bien sûr. Et on fouille le tiroir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des cigarettes. C'est pas bon pour la santé, mais il va pas dire non. Il avait examiné la carte. Mais bon. C'est pas grave. Allez, on peut ressortir. C'est sûr que ça... Ouais, non, c'est déjà ouvert. Il y avait aussi... il y avait... Attendez. Normalement, là, on peut monter ici. N'est-ce pas? Bah, bien sûr. Vous pensez que cette recherche assez excitante était finie? Eh bien, non. Hop là. On prend ça. Ceci aussi. Comme ça, on va pouvoir partager avec tout le monde au niveau du camp. Non, il n'y a plus rien d'autre. Alors, par contre, comment on va de côté? Oh là là, il y a un monsieur qui est mort en face. Comment il a fait pour monter d'ailleurs? Ouais, bon. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Qu'est-ce qui se passe? Go see if there's anything in that barn. Dans la grange. You search the cabin, see what we missed. C'est là. Attends, je vais voir. Examiner la grange. Ah. Ici, c'était pas la grange, je crois que c'est là où on va aux toilettes. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que les toilettes, c'est la vie. Du coup, forcément, bah, tu me dis va dans la grange, je pense à la salle du trône. Voilà. C'est vrai que là, ça a plus la gueule d'une grange. Mais c'est vrai que personne n'est sorti de là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas des zombies, peut-être? Mais il doit avoir une personne, hein, c'est sûr. Voilà. Attaquer, hop. Et comme je l'ai dit, hein, j'étais sûr que qu'il y avait une personne qui était cachée. Enfin, ça sentait trop. Et bim, voilà. Mets le par terre. Tu veux que je le tue? Not yet. Find out what they're doing here and where Coleman is. Allez, dis-nous tout ce que tu sais. Oh, this son of a bitch will talk. Parle. Where's Colmo Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Get down. On va l'épargner. Go. Pour le moment. Je sais pas trop quelle voie je choisirais dans ce jeu. Ramassez votre arme, c'est vrai. J'ai même pas fait gaffe que je l'ai perdu. Hop. C'est ok. Ah, on peut aussi récupérer son chapeau, etc. Oh là là, c'est trop bien ça. Ah, c'est génial. Mon petit cheval, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Voilà.
Il est beau ce cheval. Allez, tu viens. Je peux pas monter. Attendez. Ah, il faut que je le guide. Bon, je voulais monter directement dedans. Hein. Quand j'étais plus jeune, je faisais du cheval. D'ailleurs, une sombre histoire avec un cheval. Mais le cheval vers le poteau, ok. Alors, où est-ce qu'il est? Il est par ici. Attends, c'est celui-ci, hein. En fait, j'ai du mal à me situer avec la carte un petit peu. J'ai du mal à voir la distance. Parce que des fois, on a l'impression que c'est super loin. Et finalement, c'est pas si loin que ça. Assez space. Attends, ils sont dans la maison, là. Leave her alone! I wasn't doing nothing! She's one of them O'Driscolls! No, she ain't, Michael! Look at her! Miss! Miss! Are you... Oh, you fool! Michael! Miss! Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick! Come on, now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur! Miss, it's okay. We're bad men. He ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look.
Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Vous savez quoi, les petits loups? Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour la vidéo découverte. J'ai peur de. Qu'on parte dans une mission qui va durer une demi-heure, et je pense que généralement une vidéo qui va durer une heure, c'est un petit peu trop long pour vous, même si c'est sur ce jeu là voilà, je préfère quand même continuer le jeu en live, ça va être tranquillou et tout, même ma voix sera reposée, parce que là ça se voit pas, mais j'ai vraiment super mal, et pendant les scènes cinématiques j'arrête pas de tousser comme un porc, mais bon, voilà, on s'arrête là pour la découverte. Franchement, le jeu pour l'instant il me plaît vraiment, c'est vraiment un film et un jeu en même temps, c'est non voilà, c'est GTA version western. Mais j'ai l'impression que le personnage est un petit peu plus lourd qu'un personnage de base. Et ça me plaît, parce que j'aime bien généralement un personnage un peu à la Gears, alors qu'il n'a pas d'armure. Mais on sent qu'il a quand même une carrure assez imposante, vu le déplacement qu'on a par rapport à ça. Et puis voilà, on va s'arrêter là les petits loups, comme j'ai dit. Excuse-moi si je me répète. Si vous voulez suivre la suite des aventures, ce sera sur Twitch. N'hésitez pas, il y a les rediffs qui sont disponibles dessus. On fera des best-of si ça marche bien. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !